Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Les gens parlent trop, veulent perdre des kilos. Moi je m'en fous, ce ne sont que des mots. Ils disent des conneries, pur moment de folie, sans aucun autre compromis. Hey! Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue cette semaine dans l'émission Plaisir Créole. Encore une fois, et comme chaque semaine depuis quelques années, nous fait la cuisine. Oui, nous fait la cuisine et ce soir, nous manque pas, nous chappe pas, comme dit Créole. Nous a fait la cuisine, nous a fait la cuisine de deux façons différentes ce soir. Avec d'un côté, quelqu'un qui nous vient de l'île de la Réunion, il s'appelle François. Non, François, il y a la caméra là-bas, hein, il n'a pas fait la cuisine ce soir. Hein. Quoique, je vais en mettre à l'idée, il y a la cuisine, c'est là bien, ou à Kosa Livode, il y a la cuisine. Non, c'est Philippe ce soir. Philippe le Chinois, on l'appelle. Hein. Il a fini de mettre son tablier blanc de l'autre côté là-bas. Ce soir, il s'est fait nous mine et puis il s'est fait nous sarcive. Il amène son machine pour faire sarcive et tout ça. Et de l'autre côté, nous traverse la rivière, la mer, les étangs, les océans. Nous, ça va de l'autre côté dans l'île, la Grande Terre, l'île Rouge, oui, l'île de Madagascar. Et là-bas, ici, nous, ça fait aussi de la cuisine malgache avec un dessert que tous les malgaches y connaissent à base de cacahuètes, à base de pistaches, comme ils disent, enrobé dans une feuille de banane. C'est un dessert typique. D'ailleurs, tous les malgaches connaissent ça puisque ça, ils vendent au bord de la route là-bas à Madagascar. Et ici, là, nous, ça pas fait du bois de la route, ça fait ici même bassin la boue. Et après un autre plat que l'équipe malgache les là, ça concocte pour nous là, c'est-à-dire un plat à base de porc et puis de graines, mais de grains, pas de graines Soleil Réunion, hein, mais parce que c'est une graine, un grain spécial qui vient de Madagascar et qui pousse sous la terre. D'ailleurs, ils appellent ça les haricots sous terre. Je crois une affaire comme ça. Nous, ça va tout de suite. Nous commençons cette émission de cuisine là. C'est un petit peu mouvementé parce qu'on a pas mal de personnes ce soir qui étaient invitées avec nous. Nakalix, bien entendu, l'a rejoint à nous ce soir. On a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps ici chez nous et que l'a rejoint à nous aussi ce soir. C'est Marlboro. Ouais, tu connais Marlboro. Hein, ben, ce soir, Marlboro avec nous. Bien entendu, la Coco avec François, la Julie de l'autre côté là-bas. Après, avec tout ce beau monde là ce soir, nous, ça cuisine. Ça donne du plaisir aux créoles. Plaisir créole, bien entendu. Allez, nous retrouvons. Et je mourrai. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ben oui, ça va bien, ça va super. Tu peux regarder s'il te plaît. Hein, mais t'as trouvé un costume de carnaval ou un costume indien, ça? Les deux. Les deux? Hein, nous va. En fait, indien, carnaval, après tout, voilà, hein, quand c'est beau, c'est beau. C'est pétillant, c'est lumineux, hein, on va dire comme ça. Hein. Ok. T'as voilà. Changé de boucle d'oreille aussi, paraît-il. Ah bon, on l'a changé, ben m'a arrivé avec ça, ben hein, on a l'habitude de voir un petit boucle d'oreille. Oui, parce que Julie, oui. C'est l'art de changer des boucles d'oreille. Tout à fait. Vous connaissez, mais chaque mon dans mon sac, il y a un petit boucle d'oreille. Pour chaque occasion, il change un petit peu. Mais Julie, on n'est pas là pour parler boucle d'oreille. Oui, nous l'est là pour parler de cuisine ce soir, voilà. Et avec des invités très spéciaux. Oui. Hein, notamment ça avec nous. Laurence, mais ça va, avec Laurence, son mari, hein. Voilà. Laurence et Laurent, comment ça va? Côté. Ben ça va bien, merci. Tu m'en avais avant, monsieur. Ah ben oui. Laurence et Laurent, t'as vu et ça? Exactement, et là nous va que Nena, un mélange de culture, hein, Laurence, petite rayonnaise. Hein. Ben oui, petite rayonnaise. Petite rayonnaise qui a rencontré son cher étant à Madagascar. Un petit Abdéo, bien petit Abdéo du Sud. Ben du Sud. Allez, du Sud, oui, oui, oui. D'accord, là, que parti loin pour chercher. Mais oui, vous croyez ça? M'a pris un petit bateau dans l'autre sens. Lol. M'a pris un petit bateau dans l'autre sens. Ouais, et après, m'a attrapé celle-là et m'a dit, viens, chérie. Elle dit, allons marier, allez, viens marier, nous allons marier. Félicitations. Bravo. C'est bon. Félicitations. Mais Julie, nous la pointe, tu vas.
Havana parce qu'on n'adore personne. Ah, mais bien sûr, ce soir au cinéma Adjian, on a des invités très spéciaux ce soir. Que ben, Poissiata nous l'a bien vu. Poissiata, il fait longtemps qu'on vient à Zod, mais il fait toujours un plaisir de revoir nous. De revoir Zod. Oui. Tout de blanc vêtu. Tout à fait. Nous parle par là d'un homme que tout le monde a la réunion. Mais nous l'a habitué, voir Suvali, connaître Ali. Blanc vêtu. Oui. C'est pas celle dont il pense, hein, parce qu'il n'y a pas le Philippe, celle-là. Hein, oui, oui. Comment elle est, Philippe, Philippe. Ouais, ça va. Ça va. Monsieur Philippe, il paraît. Alors, ben, pas le Philippe chinois, c'est vrai? Pas chinois, l'austral. Mais pas chinois, moi, créole, ouais. Ah, oui, mais tu sais. Pourquoi à chaque fois qu'on vient ici, on fait cuisine chinoise? Ah, ben, il y a droit ça, les dans la tête. Ah, les dans la tête. Donc, oui. Chinois dans la tête. Ben oui. Le physique dans la vie de tous les jours. Ben, pardon? Le physique, enfin, ou ta parence. Reste joueur, on est l'apparence créole avec chinois dans la tête. Mais notre chinois, t'es là, on connaît? Ben, elle est là. Ouais, comment elle est, Marlboro? T'es Marlboro, elle est là, ou même Jean-Claude? Elle est là, Marlboro, ou les Chinois, ou les Thaïlandais, ou les Vietnamiens, ou les Coréens. T'es un bâtard chinois, même, ils appellent ça. Un bâtard chinois, c'est-à-dire un moment qu'a fait une papa chinois. Vous comprenez? Mais dans le là-dedans, le sang créole, même, il coule ce moment. Vous comprenez? La Réunion, elle est là, la Réunion, elle est forte. Ouais. Jean-Claude Gwendel est là, Malbar, là, elle est là, Malbar, et maintenant en l'air, Miami aux Jean-Claude, c'est un beau marmaille. Et puis, bon, un gros big up aussi pour mon nation. Toujours quand Marlboro est là, c'est son nation. Ben, là-haut, plein de caf, et la station Phyto, ben, Timozella, tout le temps, diamant fait un big up pour Zot. Mais voilà, Marlboro a fait le big up pour Zot ce soir. Et puis, Tiroc, et bon, Pédomoun, et ben, Marlboro est toujours là, Canal Austral, et il est toujours dans la place, nous les likes Zot, pour faire vivre ça, ce qu'il tire à la Réunion, là, vous comprenez? Mais à soir, on a une équipe. Les choses, on a fait me comprendre bien, c'est que l'air de la plaine des quatre là-bas, il va bien. On a la pêche. Là-bas, il dit, viens, les gars, bon. Non, mais là-bas, on l'a pas compris. Parce que plein de caf, là, nous les enlèvent à plus près de soleil. Nous les plus près de bon Dieu. Vous comprenez? Donc, quand nous. Chuchote dans son oreille. Voilà, quand nous demande bon Dieu, la force, courage. Ah, ça, tu en bats les pots, ça, tu cries avec la chaleur, là, ça, tu cries pas bien, peut-être. Mais là-haut, il fait bon, hein. Et puis, ben, voilà, un gros big up. Parce que nous, on a un mélange malgache, chinois, bâtard, chinois, créole. Ben, nous, tout au bout du compte, un seul identité, un seul. Moi, pas blanc, non, moi, pas noir. T'as pas moi, si mon histoire. Quand tu caviables malbats, nous tout est là, bonne nation, bonne franc, bâtard. Big up Daniel Modada, yes, I la Réunion, mieux ma zone. Mais en tout cas, n'a rien qu'elle a fait la poésie. Hein, Coco, il connaît ces extraterrestres. Hein, Coco, quand on n'est pas noir, on n'est pas blanc. Vous n'êtes pas forcément gris, ni jaune, ni vert, ni machin. Vous êtes peut-être extraterrestre, non? Vous êtes transparent. Vous êtes transparent. Coco, aspect à qui, à soi? Ben non, mais donne un petit coup de main, comme d'habitude, un petit coup de main. C'est la sagesse de la télé. C'est vrai, je suis la force tranquille. Voilà, c'est ça, on va bien voir ça tout à l'heure. Okay. Alors, hein. On a un autre, là, c'est notre force aussi de la télé, de Canal Austral, mais lui, il connaît pas s'il est tranquille, parce qu'il bouge mon pied, hein. Il appelle Calix et tout le monde, il connaît Calix. Calix, comment il est le grain sur la Réunion? Ah, il est bon, le grain est toujours bon. Hein. Ce monde-là, de monde ne m'a pas trompé, il fait cuit, après il dit, moi, il ne cuit pas, il me dit, à moi, il fait cuit mon cas, il cuit. Viens là, calme, il fait cuit pour les autres. Ah bon? Ben, aujourd'hui, moi, je suis content quand il dit la Réunion, la Réunion, la Réunion. La Réunion, toute nation. La Réunion, on a tout modèle. Et tout le monde y entend. Là, on a un Chinois. Oui, vous savez, Chinois, pas rien que la tête, regarde. Ouais, Chinois, même vous, Philippe. Vous connaissez pas comment on a fait ça? Comment tient la loterie, là? Mais moi, je suis content ce soir, passe une petite soirée tranquille, exote. Un groupe de musiciens que m'y connaît, m'y découvre ce soir. Et là, en fin de semaine, détendez-moi un petit peu. Parce que moi, je suis un peu stressé. Moi, un beau gars un peu stressé. Football, toutes les affaires. Le besoin de résultat dimanche. Quoi? Là, m'y décompresse. Big up Canal Austral. Tout le monde est là ce soir. C'est pour ça qu'on met Franck un coup, alors, hein, parce que Franck est éducateur sportif. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, sinon, comment il est? Ça va, correct? Ça va. Assois un petit peu à SPAQ, mais connais que où les jamais SPAQ. Ben, nous donne toujours un petit coup de main, au contraire. Moi, je suis très content de venir ici, rencontrer les amis. Comme il disait justement, les amis tout à l'heure, cette communion qu'on a ensemble est formidable. Et c'est un bon exemple que nous doit donner au monde entier. Hein. Donc, c'est les biens, les formidables. Et merci Canal Austral, Piment TV. Merci à tous les amis. Et puis, nous va passer une soirée agréable et super. Super. Alors. Allez, Philippe, pour le panier tout seul ou la nuit accompagnée? Oui, la nuit avec Thierry. Ça, c'est son papa, il a fait l'école pour moi. Ah,
Ah bon? C'est pour ça que tu es reconnaissante envers son papa. Voilà. Hein, ou l'a dit son papa, comme ça on va prendre dans Maïla, faire la cuisine. Des fois ça? Oui, oui. Ah, dis oui ou. Et après, son papa, tu viens à l'école, tous les l'après-midi, tu donnes des cours à flic. Oui. Et lui aussi fait la musique, ah, aussi pareil. D'accord, peut-être ça. Qu'on aura l'occasion de voir ça ou d'apercevoir de loin ou de près, nous ne connaissons pas, le voir un petit peu plus tard. Oui. Hein? Parce que musicien, il y en a un bon peu là, hein, Julie, vous avez vu, avec un, ah, un oui. tas, avec un paquet. Comme tout ça, à ça, fait, hein? Oui. Voilà, hein, tout ça, c'est musicien là-bas, avec ouais. Le roi et tout son groupe. Le roi et tout son groupe. Et il y en a un nom, ce groupe-là, ou pas encore? Diaz. Voilà. Un petit peu de la world music, pas forcément de la musique malgache, mais un petit peu de la musique, un petit peu de tout le monde entier. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, voilà, voilà. MP, musique du monde, la musique partout. On peut faire des petites interprétations. Non, Olivier, c'est ça. Bien hein? sûr. Ok, ok. Si tu veux, c'est toi qui décides. Ah, oui. Voilà. Pas de soucis. Et qui cuisine ce soir entre les autres, là, avec les autres là? C'est Laurence. En fait, c'est Laurence qui cuisine. Alors, on va faire de la cuisine malgache, c'est Laurence qui cuisine. Julie, on peut croire à faire comme ça? Ben, le mari, il a bien fait son rôle. Il a appris son petit madame comment, Bana, il cuisine un merci, peu. Merci. Là-bas, à Madagascar, Laurence, alors, viens, explique à moi un petit peu. Les oignons, l'ail, et tomates. Les oignons, l'ail, tomates. Même, on attendait ce moment-là avec impatience. Regarde-moi ce beau tapis. Il a payé malgache, là, comme ça, pour cuisiner malgache. Tout à fait. Allez, après, allez directement, allez. Ah oui. Alors Laurence. Donc, nous allons commencer à prendre un petit jus d'avocat. Jus d'avocat. Parce que ça, c'est comme on a été là-bas, c'est la première chose que moi l'a vue et c'est la première chose là étonne à moi. Oui. Donc, m'a dit quoi, Bana, il boit du jus d'avocat. Quoi, Bana, il mange d'avocat avec du sucre. Elle me dit bah, bon, on va faire jus d'avocat ce soir. D'accord, et alors. Puis un autre affaire que là étonne à moi, c'était cette bande poire là. C'est quoi, ressemble pas chiche? Ah ben justement, on vient de dire ce qu'on a dit, mais il ressemble pas chiche, mais il est pas pois chiche, mais que ça il est. En fin de compte, on voit, ça c'est pois de terre. Il appelle Vuanjburi. Vuanjburi, ça veut dire rond, buri, et Vuanjou, cacahuète. Cacahuète rond. D'accord. Donc, ben nous ça essayé de faire ça, d'autant plus que, on voit, là, si on regarde bien le paquet, il est marqué Origine Madagascar est distribuée à la plaine des Grecs. Vous voulez croire ça? Pourquoi il y a plaine des Grecs avec ça? Ben, mais il ne connaît pas, mais voilà. Quoi, donc, en fin de compte, on voit. Ben, moi, elle est contente. La plaine des Grecs avec sa France, ça, non? On a. Yab, il commence à être des merdards, comme il a. Les foutis, Yab l'a chapé. La partie trouve Zarico, bande malgache à plante sous la terre. Voilà. Bande à la cachette, exact. Mais bande Yab l'a trouvé. Voilà, Laurence, ça c'est vraiment des haricots sous terre. Hein, ben c'est oui, ça c'est ça, c'est comme, oui, sous terre, comme les cacahuètes ils poussent, ben Wanjburi ils poussent aussi. D'accord. Comme alors. Ça, hein, ouais. Ok. C'est Wanjburi, Si et Nixua. Anaksua, ça veut dire c'est vrai. En fait, c'est Anaksua, c'est vient du porc, voilà. Viens m'aider mon mari, viens m'aider. Voilà. Voilà. Et nous, ça termine avec un petit dessert. Ma trouve ça aussi à Tana. Il m'a dit, c'est quoi ces affaires? Tu trimbales comme ça, comme un tronc de bois, comme ça. Il dit, ben ça, il mange. Quoi, ça, il mange? Elle me dit, mais il veut goûter ça. Il dit, attends. Parce qu'il faut trouver le bon, là. Et après, il coupe une tranche, mais il mange ça au thé. Là, c'était. Oh là là. Tu vois, donc, ben, j'ai voulu faire goûter, partager ça avec Canal Austral. On va faire des petits trucs individuels, ben, avec feuilles banane. Et ben, azote d'après, ici à la maison après. Oh, voilà. Okay. Et après, on a Philippe aussi. Philippe, qu'est-ce que ça fait pour nous à ce ben, moment-là hein? Mais ça attaque sensible. Sensible, d'accord. Oui. Là, mais ça fait sensible. Vous expliquez un petit instant qu'on va mettre là-dedans. Sensible, madame a serré depuis grand bien matin, 3h du matin. D'accord. Quelle est 3h 3h du matin. Vous ne dormez pas 3h du matin, non? Hein? Vous ne dormez pas, non? Ah ben il faut dormir, il doit un peu. Ah, les vigiles, c'est vrai que vigile. Là, n'est pas vigile là. Ma papa ça 3h du matin. Ah, et après comment ça fait? Moi, m'a préparé 3h du matin et la viande m'a acheté avec Thierry Soubadou. Jean-Yves Soubadou. Oui. Ben lui, ils vont. Hein? On passe son nom, hein? Ben non, nous causons pas de mal, hein. nous causons bien. Voilà, hein. Pas, l'itom la ravine des cabris. Voilà, côté l'école voilà. Baïf, hein, les bons là, Coco, vous connaissez?
Ok. Vous connaissez? Je connais. Vous connaissez, alors, hein, Marlboro, vous connaissez? Oui, nous, pas loin, nous avons un petit bout de moins, si, fait un peu ça, si, là, j'ai encore besoin, nous allons rouler. Oui, côté l'école, bah, il faut. C'est ça, c'est vietnamien ou non? Ou t'es un peu tout mélangé. Thaïlandais, ça m'embête. Il y a des piments dedans aussi, non? Ah, mais ça m'embête. Thaïlandais, là-bas, il y a beaucoup de piments. Ou t'es, ben, un piment là-bas, il arrache sa bouche. Ah, je suis là trop mon piment là. Après, rôde le coin pour étirer, hein, parce que là, aïe, 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 quand le vent, il tourne, là, disons, cyclone, zénia, viens, vous êtes là. D'accord, alors, donc, après, on a aussi des mines, oui. Paraît-il. Sacré-tri, il appelle Casimir. C'est Casimir. D'accord. Et après, on a quoi? Et après, ça a fait les mines. Les mines, alors, hein? Oui. Donc, ah, les mines, regarde là-bas, le jouet là-bas. On est là, présent. On a le chou, carotte, sauce poisson. Oui. Et l'huile, sésame. Les bons. Bon, donne-nous tout ça, t'as l'air, bon? D'accord. Ben là, il commence, il dit, mais quand on commence, non, Julie? Ah, ben bien sûr. Alors, un découpage de viande. Voilà. Et d'abord, ce que je voulais préciser, c'est que nous, on a. C'est mon boucher qui m'a spécialement préparé ça. Oui. Et le boucher, c'est sa veuve tradition tampon trois mains. D'accord. Et ben, lui a fait ces deux rouelles-là. Après, nous avons pris un petit peu de plat de côte. Ouais. Et on a pris surtout des gros morceaux de gras comme ça. Des gros morceaux de gras comme ça là. Mais il dit au malgache, il aime bien ça. Et le gras, ah oui, il n'est pas bon pour la santé, mais il dépend. Il dépend. Il peut être très bon pour la santé aussi, surtout pour Bona. Donc en fin de compte, ça va faire vraiment, avec le guanchbourg, ça va faire vraiment la bonne sauce là. D'accord. Voilà. Donc lui, ça découpe ça en petits carrés. Ah oui. Chai découpeur. Ah ouais. Oui. Ah, attention, ça. Hein, Midiao. Ah, oui. Tu découpes pas son mal. Ah oui, non. Ah non, là. Bah oui. La musique. Ah bien sûr. Fais attention. Oui. Donc, on coupe le plus possible gros. Oui. Parce que c'est comme ça qu'il veut le malgache. Là, c'est que tous les gens qui viennent du sud de Madagascar, parce que je viens de là-bas. Oui. Lorsque tu coupes petit à petit, ça, c'est pas bon. Mais lorsqu'il y a de la. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut acheter 3 kilos, 4 kilos de viande là-bas. Et il y a des familles qui peuvent acheter juste un quart de kilo. Et ils disent coupe. Ça veut dire que malgache, c'est tetkiran marwanak. Ça veut dire que tu coupes petit à petit. Mais là, on va éviter de ça. On coupe un peu plus gros comme ça. Oui. Voilà ce qu'il aime, le malgache. Gros morceau, hein. C'est pas trop gros, mais comme ça, voilà. Parce que là, on invite tous nos amis malgaches qui sont à la Réunion en même temps de cuisiner avec nous. Bien sûr. Hein? Vous êtes connaît tout ça de toute façon, hein? Mais bon, voilà, comme ça, nous partage, nous montre aussi, nous gagne faire aussi, hein? Il faut faire ça, il faut préserver la culture, ouais. Aller pas dans les marteaux et tout ça, hein. Voilà. Prends les... Alors, Là, tu veux prendre ça, allez, allons-y. Voilà. À la malgache. Voilà, à la malgache. Même pas, il n'y a pas ça là-bas. On coupe comme ça. La pointe biou là-bas. Voilà. C'est vrai, malgache, tu ne sais pas biou. Ah ben non, non. On voit juste les affaires comme ça, les bons. Voilà. Ah oui. Voilà. Passe comme ça. Ça va être au chou. Ah, moi le chinois ce soir. Le chou. Il s'amorce chinois ce soir. Ça c'est pour le... Mine. Les mines, hein. Sauter, ben. Les mines, sauter les mines, hein. Voilà, et de l'autre côté, ici, ils ont sauté avec les cacahuètes, coco. Ça m'a fait plus cacahuètes. Cassé à cueil pour manger le mort. Cassé à cueil pour manger le mort. Pistache. Cossin sauce. Cossin sauce. Cossin sauce. Voilà. Allez, vas-y. Donc on enlève un bout de mine alors là-dedans. Oui. Le matériel est goûté là-bas à côté. Oui. La mine. Du bois là. Et là le bois il est cuit. Oui. Là, il était déjà cuit non? Non mais là m'a fait cuire, on va mettre comme ça pour les affaires. Oui, il faut être dégoûté là. On mélange le crevette avec le poulet là. Le poulet, ça c'est de la viande, le poulet haché pour la fille. Oui. Hein? Donc on mélange les crevettes déjà décortiquées. Oui. Hein? Oui. C'est bon. Là c'est quoi ça, sauce poisson? Ça, sauce poisson ça. Sale chinois? Oui, sale chinois. On peut rajouter
rajoute dedans, hein. Oui, et il ajoute un petit peu de poivre aussi dedans. Un petit peu de poivre aussi. Et là, on mélange bien tout ça, hein. Oui. Poisson, poivre, et viande de poulet. Ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est les Wansburg. Donc, là, en fait, on avait les pois secs. On a mis trempé toute la nuit. C'est pois secs qui poussent sous la terre, hein? Pois secs qui poussent sous la terre. Ouais, ouais, on a mis trempé toute la nuit. Ouais. À 3 heures du matin aussi? Ah, ben bah, oui, là, au moins, 3 heures. Oui. Ouf, toute la nuit. Toute la nuit. On a veillé, on a veillé, on a regardé comme ça. Oh là là, il gonfle, oui, oui, il gonfle. Bon, c'est bon. Donc. Hein? Ben là, ils viennent marier, tu comprends, le soir. Ouais. Je ne peux pas dormir. Ah, bon, donc, tu veilles le grain. Il veille le grain. Voilà. C'est voilà. Ça, Laurent, ça. Ben, on veille toujours au grain dans un couple, là, Mudiao. Ah oui, il veille au grain. Là, donc, tu vas rajouter encore de l'eau, là. Voilà. Ah, voilà. Alors, en fait, il faut rajouter de l'eau parce qu'il va falloir bien bouillir tout ça, bien ouais. Cuire pour que ça réduise. Et tu vas voir, parce que figure-toi, ça aussi, on peut faire en farine. D'accord. Et ben, c'est un plat, c'est un légume que tu trouves jusqu'à la frontière subsaharienne. En fait, oui. On le trouve sous d'autres noms, Kambara par exemple, d'accord. Etc. Ben, mais c'est pas un petit peu comme du pois chiche, non? Ben, a un petit peu le goût de pois chiche, mais sans les inconvénients du pois chiche. Oui, d'accord. Et dormi le soir alors? Ben oui, voilà. Sans mettre au bazar. Voilà, sans faire péter les pétards. Voilà. Hein? Voilà. Ok, alors, donc des graines qui poussent sous la terre. Alors, oui. Ces graines qui poussent sous la terre, là, c'est comme des cacahuètes. Ah oui, c'est pareil. Il y a une coque. Ah oui, c'est pareil. Il y a une coque, hein. Ah oui. Et donc, il faut enlever la coque. Voilà. Et après, enlever la coque et on a ça. Et on voilà. A ça. Wansburg, ça s'appelle, c'est les Andesiques appellent les pois de terre, mais oui. C'est nous, Amada, c'est Wansburg. Voilà. Ça, oui, c'est pareil. C'est pareil, mais tu as raison. J'ai dit à raison parce que les pistaches, on appelle Wansburg. Oui. Wansburg, ouais. Et là c'est Wansburg, ouais, ouais. Donc c'est tous les Wansburg. Ouais, ouais. Et voilà. Là au-dessus de la terre, voilà. Ça, Vouem. C'est ça. Les Vouem, ouais. Les Vouem. Tout à fait, c'est oui. Ça. Voilà. Vous voyez que tout se raccole, tout se rattache, ah, oui. Tout est lié. Tu as vu, incroyable, ouais. Mais vrai, hein, le monde voilà, est petit voilà, finalement. Voilà, et là, voilà. Avec toute cette eau-là pour faire bouillir. Ben oui, il faut et tout oui. Cette eau-là. Et oui, oui, oui. Et on va mettre tout ça au feu de bois, comme dans le temps. Mais ça non, va, on va ça être lourd pour porter ça. Mais là, regarde là. Là, là. Mon mari, est-ce que pourquoi, tu peux porter ça sur pourquoi, le feu, s'il pourquoi te plaît? Je suis là pour, parce que... Pour porter. Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. On va aller directement au feu. Oui, voilà. Au allez, feu. Okay, okay, allons au feu. Attends, attends. Il faut ouvrir la porte, hein, ici. Il faut bien que la femme serve à quelque chose, quand même. Elle va ouvrir la porte. Bonsoir. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste pour Mimi a vasote quand même. Les beaux, alors. Ok, alors. Bon, Julie, allez. Allô. Allô, allô, allô. Oui. François, ciao, ciao. La femme, ici a quelque chose, mais le bouc n'est pas loin derrière. Il est toujours là pour aider, soutenir la femme, n'est-ce pas? Oui, ben. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ne m'y pense. On a demandé comme ça. C'est bien. Ah bon. Tout à fait. La journée de la femme est finie, allez, allons. Hein. Maintenant, c'est la vie de l'homme. Et la journée de après, la femme, la journée de la femme, la vie de l'homme. La journée de la femme, c'est tous les jours. Allez, voilà. Toi, maintenant. Allez. Voilà. Ah, mais me sens trop dé, là, j'ai malheureux de faire banane, nous sommes en banane. Banane là. Ah oui, oui, t'as fait noir, moi tout seul, ben, m'a demandé l'autorisation, on va partir tranquillement, elle faut nous nettoyer tranquillement, bon. Sans fraîchette, Zordi, hein, la main, elle mange quand même. Mais sûr, ça mange pour manger une feuille banane, ça c'est pour les desserts, ça non? M'y connais pas, mais à moi, m'y s'en mange une feuille, moi, à moi, m'y mange une feuille banane. Ah, il est courageux, pas de droit de feuille banane, ça qui est mon massalé, à toi, donne-nous là, sont tout seul en plus, hein. Dès qu'il prend la feuille banane, il prend le massalé aussi. Comme ça, ah ben c'est la tradition on va dire. Tradition, ben, oui, c'est ça. Oui. Non, attends, on va voir un instant. Allô, on va voir un instant. Ben nous on va voir un instant. Mais moi Jean-Claude, mais ça mange de mon feuille banane moi. Ah moi aussi pareil. Oui. Ben oui. Sauter mine avec ça, si. Ni mettre dedans, ni manger avec la main, même ni manger allié. Faites pas où. Bon appétit. Haricots sous terre. De sous terre, des cités partout, ni manger tout. Bon alors, ok. Allons nous alors. Allez, allons nous. Allez, ça va. Julie, allons. Allô. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Tchalé, tchalo. Ok, allez, allez, allons, bon, on est bien aujourd'hui, mon Dieu. J'ai mal par un coup. Alors, je suis en train de mixer en fait. Oui. Tu vois, les avocats pour les réduire vraiment en purée. Une guacamole? Ben presque, voilà, ah, exactement, exactement. Voilà. Après, si tu assaisonnes, tu peux manger ça en vinaigrette. Moi j'adore l'avocat. Ouais, moi aussi. Et dis-moi, il paraît que tu as vu qu'à Madagascar, on mangeait des avocats avec du sucre. Oui. Mais tu sais que nous aussi, quand on était petits, on mangeait des avocats. Ben oui, mais justement, tu vois, c'est là vraiment qu'on se rend compte que quelque part, on a perdu ces traditions-là. Oui. Hein? Qui c'est qui mange encore un avocat avec du sucre aujourd'hui? Ouais. T'es vraiment. Non seulement là, il faut dire, le sucre là, hein, c'est pas trop bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Tu sais que le taux de, d'huile qu'il y a à l'intérieur est énorme. Donc, ça les fait vrais, monter le cholestérol. C'est vrai que dans le temps. Mais, vois, mais préfère que mon enfant lui mange un peu d'avocat avec un petit peu de sucre qu'aller chercher une grosse glace là-bas, bien sucrée encore, plus avec chocolat, avec du cacahuète, avec les bonnes chantilles, tout ça. Ouais. Quoi, vous pensez où? Bien sûr, on a ben, raison, ça même. Raison, hein. Ça même. Voilà, voilà. Et là, avec ça, là, ça fait quoi, honnêtement? Ça fait un jus d'avocat. Jus d'avocat. Mais ça, après, ça presse deux citrons pour mettre un peu pour éviter qu'ils noircissent. Ouais. Et après, juste de l'eau, du sucre, un petit peu de sucre. Juste un petit peu de sucre, ouais, juste pour dire que c'est une petite boisson sucrée. Voilà. Ben, nous, on a fait du nous-mêmes. D'accord. Et Madagascar, ne pas chercher. Moi, dans mon petit coup, la petite machine verte. Ah ben, là, c'est... Vert comme l'avocat même. Hein. Voilà, ça même. Voilà, tu vois, un petit mixeur comme ça, que d'habitude, nous mise que le... oignon, ail, tout ça. Ben là, ben, nous me servent pour ça. D'accord. Tu vois, système D, hein, il fait avec chaque nous, nana. Et ça, à Madagascar. Ben oui, voilà. Dans le sud de Madagascar. Ben, à Tana, dans le sud, tout le monde fait son jus. Vous voyez, jus de fruits de saison. D'accord. Un coup c'est goyave, un coup c'est fraise. Et un coup c'est corossol. Et même on a même vu jus de persil, figurez-vous. Jus de persil? Jus de persil. Non, mais là on rigole. Ah non, 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 je ne le plaisante pas, tu vois. Ben vraiment, ben parce que c'est bon pour la santé aussi d'avoir le jus de persil. Mais bien sûr. Mais la goûter, ben bon. On va dire une persillade alors. Ah ben, écoute pas, mais bon, en tout cas, elle était avec le jus citron persil. Citron persil. Ouais. D'accord, mais la prochaine fois, je vais à Madala. Je vais à Madala le mois prochain, je vais goûter alors. Ah oui, goûte à lui. Persil. Mais bon, fais attention quand même parce que le il faut... Les... Ben non, en fin de compte, on voit, par prudence, hein, il faut que le jus soit fait avec de l'eau bouillie. Quand même, tu vois. D'accord. Chez nous, bon, nous prend l'eau en bouteille, ouais. Mais là-bas, n'a pas forcément l'eau en bouteille. Donc, on fait bouillir l'eau avant d'ajouter au jus. D'accord. C'est meilleur. D'accord, sinon, the back is very hard. Ah, ben oui. Yes. Very, very hard, indeed. Yes. Le retour est très dur. Yes. Yes. Okay. Mais hey, ladies want to have fun. Oh yeah. Bah oui. Donc nous n'avons pas besoin de retour à Dieu, non? Ouais, tout à fait. Très bien. Donc là, ça va faire. Voilà. Des fois, je me trompe. Alors, tous les musiciens à contribution, hein? Ah oui. Musicien de Jai. On n'a pas le choix. Musicien de quoi? Musicien de Jai. 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 Fils d'un bec sauvage. Voilà, c'est bien du sud de Madagascar. Ouais. Nous gagnons jouer la musique ensemble, mais il faut nous gagner faire beaucoup de choses aussi à part la musique. Donc il faut nous gagner cuisiner. Mais là, c'est tout le temps le faire. Là, c'est tout canal Austral, ça. Parce que dans la vie tous les jours. Canal Austral, Miguel. Ah, dans la vie tous les jours, si, si, si. Aussi, dans bah oui. Bah, du coup, nous faisons répétition. Et donc, du coup, il faut quand même que bah, nous. Quand tu gonnes vite, tu n'as pas de goût. Donc, du coup, voilà quoi. Il faut que. Toujours comme ça quoi. Voilà, il faut nous cuisiner un petit peu ensemble quoi. Là, c'est un oignon pour brûler mon cœur. Oui, oui, oui. Tant qu'on est là, c'est pas. Pour dire que c'est pas pour la musique. On peut faire aussi des manger. Voilà, voilà, Lido. Ramoun. C'est des. Ouais, oui, oui. Lido, c'est des bassistes. Mais. Ah oui, mais regarde comme il est capable de pouvoir pisser les. Ça. Et notre fiston. Ouais, toujours avec nous. Ouais. Oui.
Et Olivier au clavier, guitare, regarde, regarde comme il a fait. Il est capable là, hein. Olivier, fais attention, je vais mon doigt. Mes doigts sont précieux. Voilà. Je fais attention, promis. Et Florent à la tomate. À la tomate, et à la batterie. La batterie. C'est la tomate. C'est la présentation des voilà. Voilà. Ça veut dire polyvalent. Donc ça veut dire qu'à part de musique, on peut faire des manger aussi. Faire des petits déjeuners, dîners, petits casse-croûtes, et voilà. Voilà une équipe terrible. Ah. Où appelle les autres, fait la musique, mais autres, ils font pour où la vaisselle, ils plissent l'ail, ils plissent l'oignon, ils font manger, ils font tout. Mais c'est terrible. Malboro, moi je connais pas moi la cuisine à toi, mais t'as où la contribution? Ben, moi la passe-manœuvre. Ben, là, nous avons tiré, ils mettent de l'eau chaude pour laver le carail, tu vois. La viande, la pinguille, ben. Voilà. Et là, ils ont préparé pour faire les œufs. C'est les œufs? Ben, là, ils avaient les œufs. Moi, je suis grand cuisinier, je sais quoi. Ah, là, ils veillent comment ils font, après, ils font le Thaïlandais, tout le monde là-haut. Vous avez la poignée des esclaves. Ça poignée des esclaves longtemps, mais ça, François. Hein? Là, tu fais quoi avec ça là? Alors, on a pressé le jus de 2 citrons. Jus d'avocat. Qu'on va rajouter. Jus de citron à la voilà. Oui. Tac, tac, tac. Oui, tout à fait. M'a bien suivi la recette. Et elle met à peu près combien de citrons pour ce jus d'avocat? Là, j'ai deux citrons. Deux citrons, oui. C'est juste pour pas que ça s'oxyde. Ouais. Et puis on va rajouter un peu de sucre comme ça. Au pif, hein. Au feeling. Hein. D'accord. Au feeling un peu comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Comme c'est un sucre roux. Ouais. On va pas mettre trop non plus. Hein. Oui. Voilà. Tac. Puis on va remplir notre bouteille. Voilà. Elle m'a préparé un petit affaire pour Corinne parce qu'elle a dit oh. Elle dit comme ça, avocat, de sucre, elle aime bien. Et ça, c'est à côté, ça priait pour lui, ça pour Coco. Bah oui, il faut gâter notre sagesse. Oui, hein. Vois ça. Nous sommes princesses, hein, princesses. I am a queen. I am a queen. Here you are. Thank you. Very much. Welcome. Thank you. Welcome, my give her a cuillère comme ça, you can take it and you can appreciate it and you can... taste it now, maybe? Ok, of course. Mélanger. Après avoir ajouté de l'eau dedans, j'ai bien. Tout à fait. Voilà. Le citron, l'eau, le sucre. Oh, et voilà, on mélange bien. Et après, on va prendre une petite louche et puis on va mettre en bouteille. Et voilà. So good. Oh, delicious. Let me taste. Non, pour la verre. Perfect. Perfect. Et Philippe, ça c'est quoi le mini toujours, hein? Ça c'est quoi, l'ail chinois? L'ail chinois. L'ail chinois, alors Le chef, il passe chez un dentiste. Hein. Un ami dit comment il a l'ail chinois chez elle. Hein. Il dit elle, comment elle a besoin de l'ail chinois. Hein. Il dit moi, il a demandé l'ail chinois, il sert à quoi? Il dit l'ail chinois, il sert. Moi, pour réfléchir, il dit comme ça, l'ail chinois, il sert, par exemple, quand on fait. L'ail chinois, on peut servir avec la viande, mais seulement pour faire un poc zombérique. Ou ajouter carottes râpées et l'ail chinois aussi est dedans. Mmh. Voilà, l'ail chinois, qu'on fait c'était un poc zombérique, on peut mettre l'ail chinois, carottes râpées, les trois, ils passent avec. Voilà. Ça va, mais c'est bon. Oui, ben, il y a de très bons petits conseils comme ça, donc voilà. L'ail chinois, ils servent aussi pour le mine. Pour les sauter mine. Voilà, sauter mine. Quand on fait sauter mine, on met l'ail chinois dedans. D'accord. Et après, quand on fait un porc cranberry, on met carottes râpées et l'ail chinois dedans. D'accord. Là, tu vois pour le nard de la suite. La levure, on met la levure dans les œufs qu'on fait sauter mine. Oui, pour qu'on fait un peu. Pour qu'on fait un peu, oui. Pour faire un peu les œufs alors. Oui. Voilà. Pour deux œufs, il faut mettre la levure dedans. Tout à fait, oui. Et là, c'est un petit peu. Et là, tu mets un peu de sauce de poisson. Okay.
Après, Marlboro l'attrape. On va soir là. Mais il passe manœuvre grand cristaux. Tu dépasses, voilà, c'est tout ça, comme ça. Mais non, mais il faut l'âge pour apprendre. Ouais, mais là, il apprend, il instruit à un moment là. Eh ben. Tu peux croire aussi dedans. Ouais, tu peux croire. Genre une grosse omelette qu'on fait, hein. Ouais. Ça fait, ça peut, la après. À la chinoise, à la chinoise. Donc, prochaine fois, faites une omelette, mettre de la levure dedans, alors. Ben, il va tester, hein, voilà, on verra, c'est voilà. Ouais. De l'autre côté, il y a Laurence qui est en train de mettre en bouteille son jus son de... les avocats. Voilà. Sa mixture. Tac, 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 tu vois, lentement, mais sûrement. C'est l'amour. Amour. Hein? Amour. Mais, non, amour, amour. Amour, voilà. Doucement, doucement. Ah, d'accord. Amora. Fitiavana. D'accord. Mami Fitiavana. Ça, ça veut dire l'amour sucré en malgache. Mami connaît juste Tchakwanao. Voilà. Tchakwanao, ben ça dépend de quelle région encore. Ben Tamatave. Ben voilà, ben chez moi. Enfin, chez moi, maintenant chez moi. Parce ben que, oui, ben, maintenant je suis mariée. Aussi, hein. Ma fille, écoute. Donc on dit Teahu. Teahuna. Et na. Non, Teahu. Théakou. Théakou, pas tchia. On soit pas comme un thé à coudre. Hein. Non, non, le thé à coudre, non. Il m'a dit avec d'un petit doigt. Bah, et encore. Comme la mettre, bizarre. Thé à coudre. Ah, thé à coudre, mais qu'est-ce qu'il tient à coudre. Ah, mal là-haut. Mais il m'a dit, dérange pas mon mère, hein. Laisse mon mère tranquille, hein. Bon. Mélange tout ça, là où ça fait où t'es... Bah, ça se passe avec dans le carail là-bas. Dans le carail là-bas. Ouais. Et bon, alors, hein. Sauté mine, tu veux le rajouter. Là, où le jambon, on l'a fait couper. Ouais. Le poulet, on l'a fait revenir. Ouais. Et il reste au, là, il chinois. Et là, où le là-bas, où ça met aller dans le carail, hein. Ouais. Philippe, vous le mettez un petit peu de l'huile, là. Non, ça va. Ça va. Oui. Vous êtes sûr, hein. Oui. Parce qu'il y a de l'huile, là. Les bons, alors. Moi, il ne colle pas au fond. Voilà. C'est, voilà. Malbon, on l'a vu comme il connaît maintenant. Hein. Exact. Moi, il ne colle pas au fond. Ah, ok, en France, à l'école. Voilà. Ah, non. Ah, c'est ah, les poches ah, chez Chabat. Ah, c'est bon, c'est bon. On va attendre de l'huile chaud, là. Hein. Voilà. Comme ça, il fait. On va prendre l'huile chaud, là. Ouais. Quand on fait au restaurant, ouais. On attrape un garçon de riz. Nous lave les dents. Hein. On fait un petit bout, nous lave les dents pour refroidir l'huile. Ah bon ben. Ah d'accord, parce que quand l'huile est trop chaude, c'est pas bon alors. Hein. Voilà. Et la levure à l'intérieur, là, il rend assez vite, hein. Malbourg, tu connais maintenant la levure. Non, première nouvelle. Première nouvelle. Ah, vite, mais quand le soir, il y a 30 affaires. Oui, hein. Mais Malbourg, ils mettent pas l'huile dans le zèf. Ah ouais. Malbourg, il cuisine sans l'huile. Ah oui. Mais la prochaine fois, il ne mettra pas l'huile, mais il va mettre un petit peu de levure pour tester. Voilà. Tu comprends hein. Comme quoi, à soir, il rend la fin. On soulève nos œufs, hein. Ouais. Non, il y a trois bouteilles. Trois bouteilles, hein. Deux jus, deux avocats. En toi compte. Oui, si ça y est envoyé par au petit coin. Ah non, non, non. Non, non. Ah non, parfait, hein. Parfait. Ah oui, 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 oui. T'inquiète pas, c'est très bon. Très, très bon. Comment tu trouves assez sucré, moi. Ah, assez sucré pour assez moi. Assez sucré. Ah oui. D'accord. Mais si tu veux plus sucré, on peut faire non, plus sucré. Non, c'est bon pour moi. Ah, jus, deux avocats. Ah oui. Ouais, alors après on met bien au frais et ben là c'est excellent. Vous avez vu quand il dit jus des avocats, là le monde il vient. Ah, oui, ça, hey, ça y tient en bas. Ça y tient en bas. Ah, top, 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 top. Tac, tac, allez, tac, on va goûter. Allez. On peut goûter. Madame. Allez, trinquons. Trinquons, vraiment. Ah, pour cette viande. Maintenant, toi, on a un peu la viande, non? Ça, ça c'est vous te le mettre au four, hein? Oui. Ça, c'est pour la faire. Et que vous en mettez ça, c'est là, ou là, à l'heure que 3 heures du matin, il paraît pour assaisonner. Bon. Vous la mettre quoi dedans? Hein? Vous la mettre quoi dedans? Pardon, excusez-moi. Vous la mettre quoi dans le sarcine, dans le viande? Ricard. Ricard. Ricard de sucre. De sucre? Oui. Après, et siave. Un petit peu de siave? Oui. Oui, quand même. C'est tout? Oui. Eh bien, pas besoin de vous couper. Hein? Malbourg, à où les nasses de sarcine? Oui, hein? Oui. Pourquoi oui. Mettre un petit peu le sarcine devient un petit peu plus rouge? Écoutez, on va mettre du sucre, moi. Caramel? De sucre, il caramélise. Allez bien. Ouais. Et puis. Et Ricard aussi. Ricard, ou Anisette. Marie-Brisa, peut-être non? De sucre. Ricard, moi. Et là, on la met au petit four. Et où ça met dans le petit four là, ici,
Et donc, faut ça assis vos fours, hein. Oui, ça assis vos fours, hein. Oui, mais normalement, mais même le bac ça assis, c'est ça assis vos fours, hein. Ouais, ouais, ouais. Il nous dit bac ça assis créole, mais normalement, c'est un four à ça assis. Un four à ça assis, hein. Un four à ça assis. D'accord, alors. Ouais. Moi, je fais en four, moi, hein. Ça, c'est quelque chose typiquement magasin. Ah oui, là, tu vas filer pour faire le dessert, hein. Là, dedans, oui, oui. Ouais. Ça, c'est bon pour le dessert, hein. On dit Kuba Ravna. Oui. C'est typiquement Madagascar, au milieu, c'est attends, on arrive. Attends, voilà. On arrive, c'est ça. Enveloppé dans une feuille de banane. Oui, c'est ça. Mélangé avec de la banane. C'est là, ça. De la farine de riz, du sucre. Tu connais celui, hein? Ben, je vais goûter. Tu connais bien, toi. Oui, c'est les gars. Ben là, je les épluche. Oui. Regarde comme je touche bien la banane. Voir, c'est belle banane, hein? Ouais. Voilà. Tac, tac. Ça et après, envie, hein. Tu vois? Et là, tu écrases les bananes. Ah ah voilà. Ah oui. Tac, tac. Et là, elle est définitivement morte. Oui. Mat, comme on dit en malgache. Mat. Mat. Oui, c'est ça. T'as raison. Mat. 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 Voilà. Mat. Oh, t'en en arrives et du sud, c'est mateux. Mateux. Mat. C'est comme une voilà. Et donc là, avec, tu vas faire ton coulis. Oui, alors surtout, banane. Tu vois, non, en fait, tu fais un petit dessert qui s'appelle Kuba. Kuba Ravina. Et donc là, tu écrases bien la banane comme ça. Surtout, tu la mixes pas parce que sinon, ça fait une purée. Et c'est pas le but. Le but, c'est justement de retrouver les petits morceaux. C'est pas pour faire du jus, ça. Ouais, ouais. D'accord. Donc voilà, tout à la main, d'accord. Comme dans le temps. Voilà. Et là, tu as mis quoi là? Alors, j'ai mis de la farine de riz. Farine de riz. Ouais. Farine de riz ou farine de riz gluant. Tu peux prendre les deux, hein. Ouais. On trouve ça. Dans tout bon commerce, hein, chez les Chinois aussi. Moi personnellement, je l'ai trouvé sans faire de pub à Leader Price. Oui, voilà. Pub, hein, d'accord. Produit, ok, d'accord. Oui. Bah, la prochaine fois, ils sponsorisent. Hein. Voilà. Hein, donc. Et puis là, j'ai mis du sucre. Donc là, pour environ 20 personnes, j'ai mis 500 grammes de farine. Et le sucre, 200 grammes. Donc là, je remue bien comme ça. D'accord, et je vais ajouter après les bananes avec un peu d'eau et ça va faire une pâte. Et au final, eh ben, on rajoutera de la vanille écrasée. Ici, là. Voilà, vanille de Madagascar, bien sûr. Ça s'appelle aussi vanille bourgeois. Parce que c'est le. Oui, ben voilà. C'est hein. Le même nom. Voilà, mais pour cause. Oui. Hein. Oui. Donc, la route des épices, hein, elle n'était pas loin. Hein. Là-dedans, Laurent est en train de faire. Regarde ça, regarde ça des, comme il fait des bien. Filets, hein. Oui. Oh là là, mon homme, hein, oh là là. Ça a besoin de force, hein. Ah oui, ça a besoin de force, ouais, hein. Ah, le pilon du Calou, il ne connaît plus. Ouais, mais nous, on ne demande plus. Ah, on ne demande plus. Non, c'est fini, ça. Mais il est bien pilé. Et quand on va faire notre petite pâte, on va rajouter ça dessus, d'accord. Et ça sera impeccable. On se retrouve pour quand je vais emballer les affaires dans la feuille banane. Ouais, moi, t'entends, je vais voir Philippe à côté, moi, alors, hein. Julie, on va voir Philippe, hein. Allô, Philippe. On va voir Philippe. C'est quoi cette tenue-là? T'as mis un sari aujourd'hui? Non, il fait un peu frais. Je vais mettre mon écharpe sur moi. Ah, alors, Philippe, et ça, c'est le œufs pour mettre dans les œufs pour mettre dans les mines, hein. Oui. Voilà, hein. Dans lequel on va mettre de la levure dedans pour faire lèver un petit peu les œufs. Oui, là il voit un peu trop là. Oui. Ouais. Un peu moins gros, plus gros vœux. Oui. Fais ta affaire. Fais ton affaire. Voilà. Il sera excellent, il sera parfait. Quel autre travail. Il demande à moi. Oui. Quel autre travail. Demande à vous. Mais il demande à moi s'il était trop gros, pas, mais je ne connais pas Calix. Regarde le bossu, moi tu m'as dit. Oh Calix, il faut le comique, ouais. Il est m'embêté, hein. Hé hey, Calix, fais un coucou tout de Mounidia. Julie, qu'on va Calix, fais un coucou, fais tout de bonne coucou, s'il te plaît. L'état de Mouni aime bien Calix, hein. Je rappelle qu'on ne partait au restaurant quand il fait, quand on travaille au restaurant là. Au restaurant, le matin, nous gagnons un petit goûter, nous prenons un petit goûter. On ne peut pas les œufs comme ça pour manger le matin. On ne peut pas un bout de pain, nous trappe ça, nous mettre des dents comme ça, nous mange quelques œufs. C'est bon ça, non, c'est très bon. Tu peux piment, tu peux piment. Pardon pas piment. Des œufs comme ça. Avec un gros gaï tomate bien fort. Avec un petit bread. Oui, un petit bread aussi. Alors. Comme ça pour
pour éviter que ça. Alors, Alex, il faut baiser bifo. Alors, combien de bifo pour se marier avec une femme? Au moins. Un gros zébi, hein. Un seul. C'est pas gros maigre. Hein. Gros maigre. Ouais. C'est pas un zébi maigre. Il a dit 10 zébus. C'est vrai, c'est pas vrai. Oui, ça dépend. Mais ça dépend du nombre de personnes. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Attends, je vais demander. Ça dépend des personnes. Laurent, toi, tu as demandé combien de zébus toi? Eh ben moi, zébu et je boirai plus, hein. En fait. Pour dire la vérité, nous l'avons marié là-bas, mais nous sommes remariés ici, figure-toi. Julie, oui. Mais t'as l'affaire. Mais dis-moi. Tu nous as invité. Je sais, elle m'a déjà invité d'avance. Puis il a dit, on est déjà invité avec Laurent. Mais pour travailler encore, on ne dérange pas. On est pour causer là-bas. Dérange pas de travail. Par contre, nous, si ce n'est pas Zébu, c'est Cabri. C'est Cabri. Cabri. Combien Cabri, il calique pour un mariage? La réunion, on a besoin de Cabri pour mariage. Tu manges Cabri? Non. On fait Cabri, ma Cabri, ça marche. C'est gros Cabri. Un gros Cabri aussi, les bons. Un gros Cabri, ça marche. Un gros Cabri. Même sous la pointe, c'est plus dans Cabri. Un Cabri, c'est un petit mariage alors. Il doit dépendre du modèle, madame. Mais, hein, mais là, mon bras a cassé. Hein, Laurent, c'est pas gagné Cabri ou? Ah, Malagueil 2, figure, la famille a donné à nous un noir, un blanc. Ah, oui, oui. Elle a dit comme ça, va faire tir à carreau. Tiens, carreau ou zébré. Mais, au thé, mais maintenant, il sera à Carmo là. Ce soir, que c'est, nous mange tous à l'aigle de pain. Ah, ben, c'est un dessert, ça. Hein? Non, mais de riz qui fait cuire. On ne connaît pas moi. Mais là, il faut être tiens au sort. Nena, le dessert là. Donc, pas besoin de riz. Et après, Nena importe. Donc, il mange pas de riz. Peut-être que Malakache ne mange pas de riz. Ah oui. Ils mangent pas de riz ici? Ils mangent pas de riz? Ici? Ici? Les Malgaches ne mangent pas de riz? Si, si. Donc, trop. Ce soir, mange trop. Ce soir, il faut mettre du riz. Lorsqu'il y a des repas pas de riz, c'est pas repas pour le Malgache. Ah. Mais vous avez aussi du manioc qui est quand même important aussi, hein, dans la cuisine malgache. Au sud de Madagascar. Donc là, au sud de Madagascar. On appelle un spécialiste en riz là, actuellement. Paris, c'est où? Julie dit c'est où le spécialiste? Ah ouais? Pour le riz. Oui, bah, il faut 100 mètres de riz. Ben, m'en mettre de riz. Allons mettre. Parce que, Pas à nous-mêmes. Nous n'y faisons pas à nous-mêmes. François, il dit qu'il n'est pas fait de riz. Mais quand il est tout seul, il fait que des riz. Allez, allons. On met de riz. Laurence avec nous ce soir qui va découper des feuilles de banane pour pouvoir faire son dessert. Hein. Il paraît que Malba seulement il gagne des feuilles de banane. C'est pour ça que Julie est à côté comme ça là parce que je dis tout le temps que qui sait gagner des coupes à feuilles de banane mieux qu'elle Malbaraise. N'est-ce pas Julie? Oui, mais ça c'est où qui dit ça? C'est pas moi qui dis ça. C'est pas vrai? Non, j'ai pas vu. Mais pas vrai. Mais Laurence, il gagne de coupe feuille banane, hein, Laurence? Alors, Laurence, on a 6 ans! Ah, nous fait ça avec ça, nous, hein? Ah, bah oui, À la moderne, quoi! Alors. Côté, on dirait que tu fais ça comme du feuille de papier. Tchac. Et ça, c'est quoi ton dessert? Et voilà pour mon dessert. D'accord. Parce qu'on va faire des petits carrés comme ça dans les feuilles bananes. Ouais. Et après, on va faire des petits paquets, tu vois, quand ce sera comme ça, bien mou. On fait tchac. Et on prendra du raffia. D'accord. Et on fera un petit paquet. C'est du raffia que tu as ramené. Voilà, tu vois. Et le raffia, Julie, tu sais le raffia, oui. Hein, raffia. C'est une feuille, c'est une plante qui pousse à Madagascar. Oui. Et ouais. Aussi. Alors, des fois, on l'appelle l'arbre du voyageur, c'est pas vrai? Ben oui, c'est ça. Il y a différence entre l'arbre du voyageur et le raffia, c'est la même chose. Hein. Mais moi, je connais sous le nom d'arbre du voyageur. C'est un grand palmier, il est immense, il est grand. Oui. Donc, le raffia, ce sera à peu près la même chose. Oui, bah oui. Après, il y en a qui prennent, tu sais, les feuilles de choca, ouais, pour faire. En fait, tout ce qui va servir de faire de ficelles. Qui peut aller voilà. Biodégradable. Rempli d'eau. Tac. Et tu vas voir, ça va faire super beau. Ok, d'accord. Bon, mais très bien. Ben, c'est parti. On te laisse. Et tu vois, d'un dessert qui est complètement. Banal, on va dire, hein, oui. Si on peut dire, parce que franchement, enfin authentique, et ben on va faire quelque chose à la vaza, quoi.
Hein. Bazar. Mais quoique, autrefois, on mettait les petits goûters comme ça. Toi aussi, t'as pas connu ça? On mettait les petits goûters comme ça, et puis tu amenais ça à l'école, tu faisais ça, bah, parce qu'il n'y avait pas de pain, de beurre, de confiture ou de chocolat. On avait des petits trucs comme ça. Alors, Laurence, ce que c'est ce qu'on m'a conté, en tout cas. Moi, j'ai pas connu. Hein. Ce que je veux te ramener à dire, c'est qu'à Madagascar, surtout à Tananarive ou dans les hauts plateaux, les gens vendent ce dessert-là sur la route. Oui, sur la route. Et puis, alors... En fait, tu vois, ils vont utiliser toute la feuille de banane. Et ils vont l'enrouler tout le long. Tout ça et mettre, cuire dans le feu. Voilà. Hein, et donc, à Madagascar, on retrouve ça beaucoup sur la route. Et les gens s'arrêtent pour manger un petit bout de dessert. C'est le goûter. Ça s'appelle comment? Rappelle-nous son nom. Cuba Ravine. Ça a été même chanté. C'est un dessert plutôt des hauts plateaux. Hein. Voilà. Alors, Cuba Ravina, parce que c'est fait dans des feuilles de Ravina. Voilà. Les feuilles de Ravina, Julie, c'est des feuilles de l'arbre du voyageur qu'on appelle aussi le Ravina. D'accord. Voilà. Oh, mais tu connais des choses, moi. Ravnal. Ravnal. Ou Ravnal. Ravnal, ça, je connais Ravina, l'appellation Ravnal. Enfin, Ravina, c'est la feuille de banane. C'est la feuille de exactement. Banane. Feuille de banane. Ravina. Mais, voilà. Nous aussi, l'arbre du voyageur, on l'appelle aussi Ravina. Voilà. Hein. Mais ok, alors, je te laisse finir et puis après, bon, on se retrouve dans un petit instant. Ah oui, c'est comme ça. Oui. Il faut qu'on pile bien pour avoir des bons goûts. C'est ça. Tu piles les cacahuètes. Oui, je pile les cacahuètes comme ça. C'est pas forcément très poudre, mais il faut qu'on pile comme ça. Pas besoin d'être très poudreuse parce que moi comme ça. Non. Parce que ça c'est bon. Si y a tout ça c'est en poudre là, c'est pas bon pour la bouche. Il faut avoir un peu de grain là pour Un petit peu croquant, Alex. Comme il a fait là. Oui, c'est bon, très bon. Impeccable. Minute. Et ça sera cuit. Là tu as mélangé tout là. Hein. Voilà, j'ai tout mélangé. Les cacahuètes, les bananes. Ah non, tu mélanges pas les cacahuètes. Les cacahuètes, tu sais après qu'on va saupoudrer. Tu saupoudres seulement. Voilà. Julie, je te connais alors. Hein, là. Non, mais avant on connaissait pas, maintenant on sait. Donc ce soir on dort un petit peu plus tôt. Les plus intelligents. Parce qu'on dort un peu plus intelligent. Tu connais ça? Allez, dis pas à tout. Elle dit pas à tout. 57. Oh là là. L'été. Parce que Miguel est bien et parce qu'il est pas fait, c'est pour ça. Voilà. Nanine l'a cassé. Oh, mi wapi la côte, ça virait la mort. Ah, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé. Mi ça va la pêche dans mon petit canot. Oh, un petit moc le vert. Dessi la mer, mon cœur y savire, comme si moi t'émire, canot n'attend gaz, la papa dinaz. Wow, ensemble, mi wapi la côte, savire et la mort. Ah, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé. Mi wapi la côte, savire et la mort. Ah, la mer l'a monté, la ligne a cassé. Big up Canal Austral. René Lacaille. Yes, I. Le morceau, c'est Demain qui connaît. Ouais. C'est pas Ticanote, c'est Domain qui connaît. Domain, Déo. Je crois qu'il y a Amir. La moitié qui connaît morceau-là, mais aussi vous connaissez morceau-là. Alors. On dirait Jean-Claude. Peut-être nous... que demain, tout le monde va connaître. Ah, m'y pense, et m'y espère, m'y croit que c'est le but. Oui. Yes, I, bien joué, super, merci. Yes, I. Philippe, que sur la feuille là, on la mettre au plus comme au taraille. Ouais. Et après, pour avoir que bon attend de chanter, tout ça va mélanger. Et là, donc, imagine, on mettait un peu de poivre. Hein. Ouais. Et à chaque fois, on vient côté, il dit ça va. Hein, et là, on met. Il n'y repart encore. On va mettre un peu de poivre, et là, on met un petit peu de sel. Ça chinois. Ça fait vite chinois. Ouais. Hein? Alors ça mélange tout d'un coup là. Hein? Et il ressemble encore. Et là on met un petit peu de sel. Ah, mélange de sel, sia, vite chinois tout à l'heure. Ah, sia, ne met pas dedans. Ah, sia, ne met pas dedans alors. Et bon. Il y a un petit peu de sauce de poisson. Oui, sauce poisson. Sauce poisson, hein. Ouais.
Moi, de moi, écoute, la marque, peut-être, enfin, je ne vais pas voir la marque, oh, mais disons que, comment il s'appelle, Lokman. Oui. Lokman. Voilà. Malbo, on fait comme ça aussi. Hein? On fait comme ça aussi. Ok, ben la sauce poisson, oui, vous utilisez beaucoup, mais en plus en chinoise, oui. Lokman. Ouais. Et puis, l'huile de sésame aussi. L'huile de sésame aussi, de sésame ouais. aussi bien ouais, sûr. Ouais. Ben. Ouais. Et puis, ben, c'est le secret, ça. Le secret. Le secret. Là, tout le monde y mange, hein? Ouais, ouais. C'est tout le monde, là. Ah, oui. À mon avis, tu rimes à mettre au fêta, là, 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 tout le monde se laisse là-bas, là. Ah, Midiou, oh. Midiou. Là, on a mangé, là. Hein? Oui. Là, quelle est, elle est, là? Les 11h. La pleuve. 11h de soir, même, non? M'espère mon divara la malakaz. Ami mon la plaine, là, m'espère le voir le plus. Ben. Chilo, dis-le, pour qu'ils amènent, baiser. Et là, on rajoute le chou dedans, hein? Et la vanille, tu vas mettre dans. Dans les petits brins de vanille comme ça, sous la feuille de banane, comme sous ça. Sous la feuille de banane. Ah, bah oui, tu vois, tu vas empaqueter. Oui. Et tu vas mettre la pâte, oui. les trucs de cacahuète, oui. et dessus la vanille, comme ça, d'accord. le parfum sera diffusé. Tu cuis comme au bain-marie ou bien dans de l'eau. Vapeur. Vapeur. Vapeur comme les bouchons. Comme les bouchons. Comme les bouchons. Mais à Madagascar, comment il faut pour cuire la vapeur là-bas ? À mon avis, ils cuisent dans la cendre. À mon avis, hein, mais je n'ai jamais vu en fait. Et toi, tu as toujours cuit dans, en vapeur alors ? En vapeur. D'accord. Alors, okay. Voilà. Ok, on va voir ça dans un ouais, instant. Ouais, ça va être super. Ouais. Alors, Philippe, maintenant, le lait chinois ? Oui, là, on met le lait chinois. Après, il restera la viande dedans, le vin de jambon, le truc dedans. C'est bon. Philippe, allez, papa. Julie, oui. regarde ça, vous êtes dans le fait noir seulement. Ah, hein? Il y a de la lumière. Ah, mais rentre fait comme un nana. Je vais mais comment tu fais avec la rame là ou là? Non, mais tu peux juste voir si c'était extrêmement. Tu un bateau, difficile. Excusez-moi, comment on fait pour tout comme ça avec ce bateau? Il faut de la force. Il faut de la force. Il faut de la force. C'est là qu'il faut. Il faut aussi que quelqu'un ait génial la main. Voilà, en fin de compte, tu vois, Julie, ben voilà, c'est là l'utilité d'avoir un mari. Tout à fait. Et voilà. La famille, toi, le mari, j'ai lancé. Bon, Philippe, ouais. à où on a la force. Vous n'aurez pas de mal à trouver un madame. Bah, aussi, pareil, nous faisons un annonce. Non, pas de problème avec son madame. Ben, non, ou le mari, il n'est pas marié. Divorcé. Voilà, non, mais oui, mesdames. Vous l'avez comment il tient, bon, la rame, là. Eh, mais où va-t-il tient une agence matrimoniale, mais mesdames, si vous êtes intéressés, contactez ce chien monsieur qui est très gentil, qui cuisine très bien. Il faut rappeler. Mais là, on prend Canal Austral pour une agence matrimoniale. Eh, mais attends, non, mais ça craint. Ah, ben alors, ben voilà. Là, t'as la petite copine là, et en temps en temps, dans le télé, comment on va appeler la maman. Alors, excusez-moi, mesdames, donc Miami dit bon, ben coucou à la petite copine. Et ben ton cher et tante. Et ton cher et tante, et bien fais un bon repas ce soir pour nous. Ben on espère te retrouver à la prochaine alors. Voilà. Voilà. Il fait un peignoir, hein. Ah, ben mince alors, mon mari dans la lumière. Tout est en miettes avec une crevette et tout dedans. Voilà. Mais là, il est comme ça dedans. Malbo, faut être un peu marin aussi pour faire. D'après, tu es bougé, montage chez bateau, ça. Là, on va jouer du jambon dedans. Hein. Du bon genre. In English, ham. Ham. Yes. Ham. Pas miam. Ham. Ça, c'est quoi ça? De l'huile de sésame. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Et là, on se met un petit peu d'huile de sésame dedans. Les eggs. Eggs. Oui, eggs. Parce qu'il y a beaucoup. La dîner européenne. Dans le zèf, là, la mettre comme ça. On va voir si vous la suivez. Comme ça, la mettre là-dedans. La levure. La levure. Et la levure, il fait quoi? Il fait levure. Il gonfle le zèf. Ah. C'est gonfle, le chef. Attention, oui, c'est ça pour une autre affaire. Hein. Non. Voilà. Donc, on va faire des sauces avec la viande de porc maintenant. Oui. Comme ça. Et après, quelques minutes, 15, 20 minutes, on ajoute les... Les graines. Les graines. Voilà. Et c'est tout. Et voilà. D'accord, ok. D'accord, voilà. Dans l'huile, tu mets le poivre et le sel. Le poivre, le sel. Dans l'huile, hein. Dans l'huile. Ça fait du gingembre moulu dedans. Oui.
Julie, il met déjà les jambes moulues dans les palier. Mais il t'attend à où? Où là prend le temps pour arriver? Là, il est au 100 maintenant. 100. Ah, il sent. Comment on fait ça où? Mais attention, t'as pas besoin de combien de chemin, mais là, fait du temps. Ben. Ma marmite de riz. T'as pris la marmite de riz? Simple, ma marmite de riz. Parce qu'on va faire un petit peu à la moderne, quoi. Et t'as mis les. Mis mes feuilles bananes dedans. Que les feuilles de banane pour l'instant? Ben oui, comme ça il ramollit, comme ça il gagne faire. Donc maintenant, je te mets ça thiazote. Et puis, laisser. Et puis, on va laisser refroidir tout simplement. Julie, comment ça fait? Alors, Laurent, c'est ça, commencer à faire son petit gâteau. Donc, elle y dresse dans la feuille de banane. Et je suppose qu'après, elle y ça saupoudrée de pistache. Et le. C'est mieux à avant, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on connaît. C'est pour ça qu'on connaît. Ou les sales qui sait. Je sais tout. Je vois tout. Ah, d'accord. Voilà. Mais je lis le mot sales qui sait. Sales qui sait. Hein? Ouais, mais je ne sais pas si Laurent s'en a rendu compte de ce mot-là. Sales qui sait. Qui sait. The one who knows. The one who knows. Oui, the one who knows. You never know. One never knows. Okay. One never knows. So. Tu as fait le petit paquet. Là, tu as fait un petit paquet. Et qu'est-ce que tu as mis dans ce petit paquet? Ben, j'ai mis, regarde. Tac, tac, tac. En fait, c'est comme un petit beignet. Tu imagines quand ça sera cuit. Alors, donc, tu as mis. Eh ben, tiens, tu peux mettre aussi ça comme ça. Dommage, j'allais oublier. Voilà. Mais ouvre grand. Je vois pas. Non, mais regarde. Non, tu vas dégrainer son affaire. Voilà. Ben, voilà. Tu vas dégrainer son affaire. Tu vois pas là. Elle a dit en haut comme ça de mon engraine la plus comme elle a. Et tu vois, regarde comme on est en osmose. Hein. Il m'a apporté le raffia pour faire le petit paquet. Il faut de son mari encore. Allez, vas-y. Lâche-toi. Alors, tu vois, tu fais comme ça. Bien, bien. Hein. Voilà. Et tu vas faire un petit paquet. Un petit paquet. Tac, tac. Mais pour quel cadeau? Voilà. Pour quel cadeau? C'est tac, joli. Tac. Déjà, elle est bien. Déjà, elle est bien. Yeah. Comme ça. Dis-moi, est-ce que... Oui. Ça ne se présente. Hein? Ça ne se présente. Ça se présente. Oui. Non, mais comme un cadeau, quoi. Eh bien, ça même. Et tu présentes. Voilà. Tu vois, après, bon... Ouais, mais est-ce qu'on peut mettre un petit Marie-Brisa aussi dedans? Mais arrête, mais... on vous a fait un double. Et cardamome? Ben oui, mais... voilà, après tu trouves des variantes. Quoi. Voilà, il y a des variantes. Je t'ai fait la chose. Et voilà. Regarde comme c'est tout timimi. Bravo. Voilà, tu vois? Et là, tu vas faire cuire ça à la vapeur. À la vapeur, on va faire tout ça, des petits paquets. À la vapeur. À la vapeur. Et à la vapeur, comme il n'y a pas de machine à vapeur, on fait comment? Il y a des fours spéciales. Des fours sur la terre un peu spéciales. Oui, c'est la terre là, il veut faire de terre avec, tout ça, il met de feu à côté, il y a des vapeurs qui sortent là, de l'autre côté là, voilà, c'est ça. C'est bien. On a la réponse. Allez, tac, tac, voilà. On saupoudre, voilà, dessert, tac, dessert, tac, et après tu mets un petit peu de vanille comme ça au milieu, et tu enveloppes, voilà. Tac, tac, on fait le petit paquet bien joli maintenant que ma feuille est ramollie à la vapeur. Voilà. Et tu attends. Et j'attends la petite truc de raffia, la petite cordelette de raffia. Tac, tac. Hop. Les raffias, ça existe maintenant aussi. Ah, ça existe maintenant, oui, bien sûr. Oui, mais on en a parlé. Là-bas, hein. Donc voilà, tout, il y a tout ça. Là. Pendant que tu jouais à la musique, là, moi, on a parlé avec Jean-Claude. Ah oui. On a parlé de tout ça, de Ravina, Ravenal, tout ça. Tu as mis aussi un peu de levure dans ta pâte? Mais non, jamais. Mais Julie, arrête, s'il te plaît. Mais voit le sachet, le viat, et elle a... Ah oui, il y a des amours. Ça, c'est Philippe, elle va mettre ça dans le zèf. Hein, Philippe? Ah oui. Ben voilà. Eh, avant de crier, là. Voilà. Laisse à moi exprimer, moi. Voilà. D'accord? Ben, c'est ta poète. Regarde bien. Sous la moelle. Avant de commencer à faire des commentaires qui ne sont pas d'actualité. Mais voilà, le vieux, il est là. C'est pour ça que m'y demande. Tu as raison. Mais cette levure appartient à mon voisin. Voilà. D'accord. Tiens, mon voisin. Il n'y aura pas de soucis comme ça. Alors. Maman, dès qu'on se fait l'émission là. Mais bon. Ah! Voilà, mais tu y aimes comme ça! Mais oui! Bien sûr! Oui? Ah, on peut mettre feuille le chou!
me mettre le chou. Ça va être sensible dessus. C'est très bien. Mais la faille Zanda, pour ce moment, elle fait noir, mais ça part, regardez-moi. Après, la faille arrive minuit, la rame, ça passe en deux, ma bébé. Ou bien, il prend feuille banane aussi pour faire la présentation. Ben oui. Ah, aussi, ça fait. Oui, bien sûr. Ah oui, mais il y a d'un petit peu Laurence. Donc, Laurence, dans la banane, il y avait quoi? Dans la banane, il y avait de la farine de riz, du sucre. De la banane. C'est tout. C'est tout. Laurence, explique-moi, comment est-ce que tu plies ça, s'il te plaît? Alors, voilà, très bien, Julie. Voilà, très bien, Julie. Si Massi te regardait, impeccable. Là, il trouverait que c'était vachement fais bien. Fais un petit mot pour Massi. Coucou, Massi. Ah, Mas d'Ambatunakanga. Ah, ça veut dire quoi? Mas d'Ambatunakanga. C'est des qualités, caractère d'Ambatunakanga, Madagascar. C'est là où il habite. D'accord. Là où habite. Ton fan, elle habite là-bas. Voilà. Alors, Massi, ben, coucou à toi. Hein. Tu vois, je fais des petits bonbons hein, que ton frère apprécie beaucoup et il m'a montré. Donc, ben, je te fais un petit coucou, Massi. Et je te dis à la prochaine, peut-être. Voilà. T'auras le goût d'agro romance. Bon. Alors, on a mis du thym. Oui, tu as mis du thym, là, des oignons. On va mettre des oignons. Le pont, il a bien revenu. Hein. Ah oui. Je ne connais pas où ça y est parti, mais en tout cas, il a bien revenu. Hein. Il est bien revenu, bien roussi. Voilà. Et de la, mais là, tu n'as pas fini, tu as coupé un petit morceau comme ça. Un petit morceau, oui. Parce que tu vois, avec, on va rajouter le point de four après. Ouais. Et ça va fondre. Coco, avec la gamme étant de là, il faut brosser le dent bien le matin. Parce que ah, la vie, quand tu la une c'est un beau paquet. Hein. C'est la laine que tu as après. Ah là là, le matin au réveil là. Mais c'est bon pour la santé. Hein? L'ail, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Voilà. On prend un bon pain de là. Hein? Oui. Bon, voilà. Et là, on ne mélange pas. Si, on rend la main forte. Non, mais il ne rend pas le cuillère, il rend la main forte. Alors. Tac, tac. Vas-y. Allez, vas-y, chérie. Ouais. Allez, vas-y. Et on remue. On dit ça passe. Il y a Bolzac avec Joseph. Car au piquet sans trêve, t'es parti fait campagne. Poussé par quel salmagne, en garrotté dans un bel pagne. Ton camarade, ça Marlboro. Là-haut la montagne, comme celle résolution. Fans of dépitation. T'es ben une d'elle l'incompréhension que l'été vraiment total de monter qui dit sa bande n'a pas normal. Votre ici la place, la réunion ou bien d'un cité béton quantité la morale. À toi. Malgré ça, figuel en main tout de monde. T'es véroi de main café plus de Reste la malouya, la colis son papa, s'il masse des pis en bas. Pas tous les jours, moi l'était pour tout et un beau soutien. Y'a connu que la fait plus de mal que de bien. Marco Bopé n'aurait pas pu faire ça, tu la fait pour moi. Tu la ramasse à moi dans le chemin. Mais connaît que pour moi sera difficile. Et m'y voudrait pire à tourner l'asile. Reste la même. Méditer n'est pas facile.
code pensée n'est pas docile, ou laisse Bordas blessé. Envoyez un bouc comme minier, Pampa ou pour gorille. Nivea trouve notre ville, pas trop martyrisée, avec toute la dîme la fée. Ah, si ils ont dit, bien sûr, allez, couche le rond-point, même si Pampa vient romain clic de verre. Bon Dieu, Astier Naye, coucou, tire à moi dans ce recoin. Il m'est plus à mon lando ou jamais. Qui connaît plus loin sera difficile. Hey! Même il vous donne puis à tout en agir. Et ça m'alouya, Comme à l'inviter à ce monde à l'eau dans le chemin avec Yes I. Big up qu'elle est au sol. Yeah. Et tu vas le mettre bien marré là-dedans alors. Voilà, tu vois, ça y est, les petits paquets. Dessert, hein? Les petits paquets sont faits. Oui. On va mettre le tout à la vapeur. Comme voilà. Bon, pour l'eau que t'as mis en bas là. Tac tac. D'accord, ok. Tu vois. Oui, t'as vu ça. Oui, madame. Hein? Comme quand tu fais des bouchons. Oui, c'est exactement le même. Voilà. Et hop, et tu vas mettre ça dans ta marmite arrive 20 minutes après. 20 minutes. Voilà, que l'eau est bouillie et tout ça. Hein. Tu vois, 20, 30 minutes, on contrôle le petit c'est paquet, c'est les filles, puis c'est tout. Voilà. Elle est bien. Voilà. Donc là, ça y est, les pois sont réduits en purée. Et on va rajouter le tout doucement. Oh là là, mon Dieu! Voilà. T'as vu ça? Oui, donc les mettre dans le grain. Voilà, ah, voilà. Le grain qui pousse sous la terre, hein? Ouais. Là, ma comprend un peu. Bon, là, ça a un petit peu attaché. On comprend le grain qui pousse sous la terre. Oui, et les gros morceaux, la viande cochon qui est la maman. Voilà. Voyez-vous là, hein? Quand il tombe. Voilà, ils mettent tout ça. Mais disons, c'est comme. Comment ici, c'est salé, comme un cassoulet. Voilà. Exactement. Hein, comme un cassoulet. Sauf que là, tu mets des gros morceaux de viande de poids dedans. Voilà. Miwa, pourquoi maintenant il y a Madagascar? Ah yes, Miwa, pourquoi il y a Madagascar? Yes, of course. Wow. Look at this. You like Madagascar? Grâce à ton mari. I love it. I am so... Yeah, I love my mari. Oui, il y a pas les détails en plus. My husband, please. My husband. My husband, of course. Et dans voilà. Husband, il y a band. Ouais. Voilà, et c'est Jai. Ouais. Jai is a band. Voilà. Husband. Et voilà, d'accord. Voilà. Tu as suivi? Oui, ou pas de la cuisine, ou pas de jazz band. Oh, mais les deux. The wonderful accent. Ah, hein? Thank you so much. Yes. I love okay. it. I love the yeah. English. I love the language. Yes. Et pourquoi viens-tu pas espagnol ou? Ah non. A mí me gusta mucho el español. Ah, te quiero, te quiero. Me encanta hablar español. Hola, mis amigas. Besos. Mis amigas profesora de español. Ah bon, si. D'accord. Besos. Et en malgache on dit mastu. Et donc j'en profite un petit peu pour souhaiter bon appétit à tous nos potes musiciens, à Tuléar, je pense à Mireille, je pense à Noir, je pense à aussi Manamp, je pense à qui Teta, Kira, tout le monde là-bas. Un gros big up à vous toutes, en espérant que vous allez apprécier nos recettes. Certainement. Okay. Bisous. Voilà. Ça, c'est un cassoulet. Un cassoulet. Cassoulet gaz. Voilà. C'est ça le porc. Ça sent bon, hein. Là. C'est ça qui donne la force. Et là, je suis satisfait. Hein? C'est succulent. C'est vraiment très très bon. On va garder le pistolet. Hein. Pas mauvais. Le pistolet, il est bon. Hein. Hey, Philippe, très bon le mine. Hein. Allez.
Oh, Madame Didin. But Didin, the word dinner, Didin, something like that, you know? No, on a dinner, ensuite Didin, c'est le deuxième tour. Deuxième tour. Voilà. Et là, c'est le riz. Là, au point de vue. Un petit peu le riz. Un petit peu le riz. Et là, le cassoulet. Un bel cassoulet. Sous les gaz. Voilà, terre. Bah oui, pour bien bien faire, là, il aurait fallu un petit riz rouge. Rouge de Madagascar, hein. Ah oui. Elle est excellente son dessert, on connaît. La pistache avec banane. Ouais. Mais le truc, c'est qu'elle n'est pas trop sucrée. Elle est vraiment très bon. Ça l'est fait au bain-marie. Au bain-marie, c'est pour ça qu'il pense que le goulet il est bon. Tout déjà fait au bain-marie. Il est excellent. L'odeur même. Hein. Et on met un petit peu coco avec la liqueur là-dedans, doit être excellent, maman. La vanille. Et la vanille. Voilà, allez, c'est à toi. T'as mal goûté, Madiao. Un tapioca comme une pâte là. Bon. Alors, oui, il est bon, mais sûrement là. Il colle bien. C'est le pistache. Pistache fait coller avec. Oui. Oh, il est bon. Bon, ben allez, on se retrouve la prochaine fois. Non, il est bon. Oui. Et merci bien pour le repas. Ah, ben c'est nous. Merci pour le dessert aussi. Hein? Très bon goût. Bah. Ah, un petit message à passer avant de partir. Merci beaucoup, Jean-Claude. Ça fait ma ville bevata, je parle un peu malgas pour les familles à Madagascar. Là, Tananarive, Mbatunakanga. Coucou Amassi, coucou Agita, coucou Tante, coucou tout le monde, la famille Tuliag, coucou Annick, quoi encore bébé? Ben, tout le monde, notre famille, le village de Mastata, Martin, tout le monde, tous les gens qui me connaissent, bye bye. Famille là-bas et mes amis d'ailleurs du côté de Lyon, Paris, Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Cannes, tout le midi de la France et un gros big up à papa Michel. Avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.